Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Et dans le dernier épisode, on avait fait le repas d'adieu d'Atul et Atul était parti. Et on avait emmené Astrid au Seuil Éternel. Donc on a donc deux passagers de moins. On va essayer dans cet épisode de améliorer notre bateau pour pouvoir enfin réussir à franchir le brouillard. Ça devrait être faisable. Et j'ai commencé en off, comme j'avais déjà commencé à la fin du dernier épisode, à faire les feuilles de cristal qu'il nous fallait. Parce qu'on avait un petit paquet et que c'était un peu long. On va aller voir ça en jeu. Et donc on est ici. Il me reste de quoi faire une feuille de cristal. On va la faire. Ça va être la sixième et dernière. Il va nous falloir du tissu de soie également. Et il va falloir faire les ventes pour avoir de l'ectoplasme en bouteille. Eh bien, s'en sortant suffisamment bien pour en avoir assez. Puisqu'il nous en faut 3. Ça devrait le faire. Ça devrait largement le faire. Voilà, niveau feuille en cristal, on est bon. Il nous faut du tissu de soie. On va pouvoir largement tisser plein de soie, on en a à foison. Voilà. Et avec tout ce fil de soie, on va tisser à foison également. Voilà, donc pour ça on est parfait. Je vais arroser ici pendant que je passe devant. On va aller chez Stanley. Je pense que ça fait suffisamment longtemps qu'on n'a pas joué avec Jacob. Donc ça devrait le faire. Je vais planter du thé, un petit peu de thé. Jacob est dans la chambre de Stanley. Et Stanley est là. Regarde ce que j'ai dessiné! J'ai fait ce dessin pour toi! Il nous a fait un dessin de Bruce et Mickey. Et on va lancer les ventes. Jacob, il me perturbe aussi. Voilà. Et de 1. On a besoin de 3. Hein. Je suis coincé là. J'avance pas. Ils sont où? Il y en a plein là. Voilà, il y en a plein. Saute! Je pense qu'on en a eu au moins 3. J'espère qu'on en a eu au moins 3. On en a eu au moins 3. Du coup, on va pouvoir aller voir Albert et améliorer notre bateau.
On a Gustave qui nous dit qu'il a fait des sushis. On va aller le chercher tout de suite. Sauf qu'il a bougé. Merci Gustave. C'était mouton que je voulais voir. Parfait. Comme d'habitude, hein, je nourris mes moutons avec ce que j'ai le plus. Ils sont pas très difficiles et on doit bien avouer que les arbres sont très productifs, donc ils nous donnent pas mal de ressources. Oh, as-tu faim? Je connais un super endroit où manger. Ça s'appelle le désert. C'est reconnu pour ses excellents sablés. Ha 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 ha! Donc, on a dit, on prend le chasse-brouillard. Solo à la lune. On pourra pas, pour l'instant, il faut de l'or. On n'a pas encore trouvé où était l'or. Et j'ai pas encore trouvé 80 000, hein. Il nous manque 30 000, un peu plus, mais ça va venir, hein, tranquillement. De toute façon, j'ai pas encore exploité le fait qu'on avait agrandi. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans ces choses-là. Le sommet brunoir. Par contre, Stanley voulait qu'on aille à Hawksbury. Donc, on va aller à Hawksbury, qui est sur notre chemin. Et ensuite, on ira au sommet brunoir. Voilà, il a fait des sushis. Je t'interromps. Donne-moi des sushis. Merci. Donc on va voyager pour aller à Hawksbury. C'est parfait. Et on va y aller avant que la nuit ne tombe, parce que les ventes de Stanley est de nuit, donc ce sera encore plus parfait. Grand chapeau! Je suis si excitée! Ça va être top! Es-tu prête à regarder ma pièce? Prépare-toi! Il y a une fille avec un grand chapeau! Et elle est grande! Elle court partout! Elle fait tout! Il y a cette grande porte! Elle est énorme! Elle est brillante! Elle est ouha! Cette fille le sait! Parce que quand tu y es prêt, elle t'y amène. Et puis tu pars avec elle. C'est long. Tout le monde est triste. Et puis, boum! Des grosses lumières. Et un grand grondement.
Explosion! Vent! Poussière! De la fumée partout! Tout est calme pour l'instant. Et puis, on ne peut plus voir notre ami. C'est là que la douleur commence. La faim. Merci d'être venu. Ah, il fait trop noir. Il y avait le petit symbole de Stanley et il fait trop noir. Pas de chance. Pas de chance. Alors, planche de pain, je pose la question depuis tout à l'heure. Non, je pourrais pas le voir sur la carte. Planche de chêne, de frêne, d'érable. Oui, j'ai pas encore eu de pain. D'ailleurs, on va. Transformer un peu de cette sûre. Ça sera toujours utile. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc planche de pin, feuille d'électrum, on va aller voir ce que c'est. Feuille de cristal, feuille de rose. Il faut de la flamboyante, il faudra qu'on y pense. Alors je sais qu'il me faut du zinc, du coup. Du zinc. Pulsar, fer, aluminium, zinc. Ah, de l'argent, j'en ai très peu. J'aurais pu en mettre sur le dos de la tortue. Après, pour l'instant, on n'a pas spécialement de demande qui nous demande de l'argent. Peut-être dans les. Dans les feuilles, justement. Dans les feuilles de cristal et autres. Un dernier petit coup, ça devrait être bon. Voilà. Ça fait quand même 10 lingots de zinc, hein. C'est suffisant. Je sais plus ce que je voulais. Je veux une feuille de cristal, une feuille de rose et une feuille d'électron. Feuille de cristal, c'est celle qu'on a faite pour eh bien donner à Albert et agrandir notre bateau. Donc on va pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, dès que le jour sera levé, on ira utiliser notre super chasse-brouillard. On a dit une feuille d'or. Électrum, il faut un lingot d'or. Feuille d'or rose, il faut un lingot d'or. Et feuille d'or. J'ai pas feuille d'or. Mon cerveau a bugué. Électrum. Ah, lingot d'or, oui. Donc non. Donc oui, donc il nous faut absolument de l'or et on n'en a pas. Je pense que j'ai fait suffisamment de fromage pour l'instant. Parfait. Ça devient mûr pile au moment où on passe. Je vais faire des carottes parce que les carottes, j'en ai plein. Tranquillement. Voilà. Tout le monde dort. Ici, sa cuisine. Tranquillement.
On va passer le petit reste de la nuit à pêcher. Il y aura peut-être une petite bouteille ou deux. C'est pas ça qui nous rendra riches, mais c'est toujours ça de pris. Et au pire, bah, ça nous fait un petit peu de poisson à cuisiner. C'est vrai qu'on commence à en avoir beaucoup du poisson, faut que je le cuisine. Et c'est vrai que il est un peu perturbant ce livre de recettes, de toute façon, vrai livre de recettes de cuisine, hein, où il faut trouver la recette, la lire et puis ensuite aller à la cuisine et faire ce qu'on nous a demandé. Avec la mémoire qu'on a de ce que le livre nous a dit. Oups, un petit peu trop gourmande. Non, ça c'était pas ici, le cling. Ouf, quelque chose de gros. Un maï maï. Eh bien, c'est parfait. Il est l'heure. On va pouvoir aller du coup ici à la canopée obscure qui est sur notre chemin. Ici, c'est toujours pas prêt. Et eux, je pense qu'ils ont faim. Ah oui, ils ont très faim. Ils ont plus que très faim, je dirais même. J'avais fait des yaourts du. Est-ce que t'aimes ce genre de choses? Et il nous rappelle qu'il veut aller au sommet Brunoir. On y va, mon gars, on y va. Ah oui, le brouillard est bien présent, mais on a pu passer. C'était extraordinaire, hein? Je suis sûre que tout le monde a aimé. S'il te plaît, Stella, va demander aux gens. Mais attends, 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 attends. Ne fais pas juste leur demander comme ça, hein. Fais ça subtilement. Sois relax, grand chapeau. Et on arrive donc à la canopée obscure. Et on va aussi pouvoir demander aux gens, du coup, ce qu'ils ont pensé de la pièce de Stanley. Non, t'en vas pas, je vais poser la question. Non, tu veux pas. Tu peux me dire. Bah tant pis, je vais au sommet Brunoir. À la canopée obscure d'abord. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, déjà, il y a du truc à miner. On mine. On se pose pas la question. C'est du calcaire, hein, c'est pas fifou. Ok. Il un petit coffre ici. Et comment je fais pour aller plus haut? Tout ce
Ceci est bien mystérieux. Donc on peut aller là. Jeune personne! Tu ne lui parles plus? Bravo pour toi, jeune femme! Je m'appelle Paris. Je faisais une randonnée cherchant des baies, mais il n'y a rien ici. Ce qui est étrange. Les baies, ça pousse presque n'importe où. Quand je m'arrête toujours pour cueillir des baies. J'en laisse toujours quelques-unes. Les animaux aussi ont besoin de manger. Je suis du côté âgé de la vie. J'ai le temps de faire de la randonnée. Marcher dans les bois. Mais mes pieds me fatiguent facilement. Mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Je pouvais courir après les voleurs à l'étage. Je pouvais courir un marathon. Je pouvais courir pendant des heures. Maintenant, je fais que manger des baies et profiter du soleil. En un mot, me trouverais-tu quelques baies? J'aime seulement trois variétés. J'aime les fraises, j'aime les bleuets et j'aime les framboises. Les autres sont trop sauvages pour mes papilles. À bientôt, jeune femme. Bonne journée complètement baie. Bonne journée complètement baie. Mais oui, je peux t'en donner. Je peux t'en donner, mon gars. Trouver 15 framboises et 15 fraises. Ah oui, j'imagine que... Ouh là là, 15... Ah, j'ai raté mon atterrissage. T'es quoi, toi, comme minerai? Du minerai d'or. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, j'ai besoin d'air frais. Oh, il y a des petits arbres qui se coupent en plus. Daffodil? Bah oui, téléportation. Donc ça va être du pain, ça. Ça va être trop cool. Exactement tout ce qu'on a besoin. Ok, donc je pourrais essayer de remonter du coup. Parce que je pense que j'ai un peu... Voilà. J'ai dû louper des petites choses en haut. Alors ces arbres-là ne se coupent pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Je l'ai loupé. C'est pas grave, tant pis. Du coup, ici on a coupé. Ouais, on est pas mal en fait. J'ai loupé en haut, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu grand chose. Donc c'est plutôt cool. Francis nous a rattrapés. On va vérifier ça tout de suite sur la carte. Ah, si, j'ai loupé une bûche de pain, visiblement. Oui, j'ai pas forcément besoin de Francis tout de suite maintenant, il va nous rattraper ailleurs. J'ai pas trop peur. Par contre, ça fait un moment que j'ai pas nourri Beverly, faut que je la trouve. Ma chère Beverly, je t'ai fait du truc machin épicé comme thème, truc machin, c'est... Voilà. Ah oui, c'est vrai, celui-là est marqué en goût apprivoisé alors qu'il l'est pas. Enfin, il est marqué en régulier salade. Pourtant, j'en ai fait. Ah, j'ai dû faire du chai. Ah oui, du coup, elle veut pas parce que. Ah là là, ah là là.
Je vais pas te donner de la choucroute quand même. La nourriture exotique fait toujours l'affaire. Ah, c'est cool ça. Et... Et elle m'a tricoté des choses. C'est parfait. Ouais, donc on va devoir bien sauter partout. C'est des zones très étriquées. Et le demander pour Stanley, je peux? Voici de la flamboyante. Bah oui, mais je voudrais un peu demander. Comment on se débrouille pour demander discrètement pour Stanley? Ah, oui, il n'y avait que Gustave, donc il faut questionner Gustave. Il faut donc trouver Gustave. Gustave, où es-tu, mon cher? Ici. Tu as faim? Est-ce que je peux te donner de la soucroute? Je vais te donner la Louis Goba, là. Voilà, on fait un câlin. Ça m'a rappelé mon passage au collège. Ces jeunes expérimentations des formes du théâtre. Un art si noble, si vivant. Les performances d'art vivant, ce n'est pas mon truc. Mais je peux certainement en tolérer l'idée. Ce petit compagnon était pourri au niveau technique. Mais il a le cœur à la bonne place. Il a au moins ça. Ouais, Stanley. Comment je te dis que c'était nul, mais qu'en fait, voilà. Vraiment, vraiment! Ils ont tous dit qu'ils ont aimé ça! Vraiment, vraiment beaucoup! Es-tu sûr, grand chapeau? Je sais pas, je suis pas convaincue. Je peux le voir sur ton visage. Ils ont dit qu'ils avaient aimé, mais c'était pas bon. C'était terrible et j'ai rien fait comme il fallait. Je le sais, même si tu essayes de le cacher. Je peux rien faire correctement, je ferai jamais une autre pièce, je déteste ça! Je crois qu'on a un tout petit peu fâché notre ami. Alors, jetterais-tu un œil à ça? Là, tu parles. L'air pur. Respire ça, Scout. C'en est du bon. Ça me rappelle. Tu devrais prendre ça. Mickey dit qu'il veut plus la sienne. Prends la mienne aussi. On les veut plus. Écoute, je pense qu'il faut repenser ton rôle dans notre organisation. Si ça dérange pas Mickey, j'aurais besoin que tu diriges certaines choses. Je serai plus impliqué. Tu serais plus impliqué, si tu vois ce que je veux dire. Je t'en dirai plus quand on sera sur le bateau. Retourne à tes occupations. Tu l'as mérité. On se voit plus tard. Et on a gagné du coup deux obols. Ah ouais. On va pouvoir faire. Ah oui. Il y en avait peut-être tout à l'heure que j'ai pas fait gaffe. Donc alors, on va y aller doucement. Hein, je voudrais essayer de voir un peu où on va. On va là. Ça m'avance pas à grand chose, je dirais, mais. Ça m'avance même à rien, mais. Ça m'avance à rien, ça! Je peux monter ici. Je peux aller jusque-là. Il n'y a rien. Ça pourra faire d'autres choses. Est-ce que je peux aller par là, par exemple? Déjà, parmi les choses simples qu'on peut faire, c'est ça. On peut. Un excellent vendeur a toujours ce dont le client a besoin. Alors, ma riche cliente, que puis-je faire pour toi? Je peux vendre le dessin de Bruce et Mickey.
pour une pièce. Non, merci. Je peux acheter des graines. 200, c'est cher, hein. Ça va me prendre ma monnaie. C'est terrible! Je sais même pas comment m'en retourner. Il a l'air d'avoir un truc ici. Ah oui, donc ici il y a ça. On va pouvoir sauter. Allez ici. Ici il y a. Ah, il y a une. Ok, elle donne là. Why not? Donc je peux aller ici, sauter sur celle-là, remonter là. Quand j'arrive ici, je peux me faire avoir parce que le courant d'air est parti. J'ai pas sauté assez haut. Voilà. On peut arriver là. On peut sauter ici. On peut sauter là. On arrive ici. C'est vrai que je peux faire ce genre de rebondi que j'ai pas fait tout à l'heure. Qui va pas nous permettre d'atteindre là et qui va nous permettre d'atteindre ici. Donc j'ai pas l'impression que les arbres soient coupables. Par contre, on peut faire ça, on peut arriver ici. On peut se prendre une autre bourrasque. Non. Ah, peut-être que si. Ton pèlerinage est terminé! Oh, quelle aventure déterminée et tenace cela dut être! Tu as enfin atteint le sanctuaire sacré de Saint-Élan! Il y a des milliers d'années, Saint-Élan consacra cette statue! Il est prédit qu'un jour l'élu d'Élan recevra sa bénédiction et que cette personne nous sauvera tous de la tyrannie de l'existence! Oh, mais tu sais probablement tout ça, sinon pourquoi serais-tu venu jusqu'ici? Je te laisse à tes prières. Que Saint-Élan te bénisse! On va pouvoir du coup avoir une nouvelle habileté. On va pouvoir libérer l'énergie de la lanternelle et s'élancer dans un bond en avant. Ok. Ouais, faut qu'elle ça recharge. Par contre, quel est l'intérêt? Ah, peut-être que c'est ce genre d'intérêt-là. Zut, le vent est tombé. Avoir des choses en haut, mais hop, ça le fera. Je pense qu'on a vu à peu près ce qu'il fallait voir, et de toute façon, il est temps qu'on arrête cet épisode-là. J'espère que.
que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!